Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver sur cette belle journée de mi-juin. Une journée un peu venteuse. J'espère que le dispositif, disons, contre le vent dans le micro sera efficace. Alors, quelques nouvelles du jardin, rapidement, avant d'en venir, disons, au sujet qui nous préoccupe dans cette vidéo. Je vais commencer par ces gazons fleuris. Vous voyez, j'avais pris le parti l'année dernière de désherber un peu les gazons fleuris, puis de laisser en place les bisannuels et les vivaces, et puis j'y ressemais un petit peu dans les trous. Bon, ça déséquilibre un petit peu quand même l'ensemble, et j'ai pas tout à fait le résultat souhaité. Certaines plantes prennent vraiment le dessus sur d'autres, et je pense du coup que j'y perds un petit peu en biodiversité. Hein, j'aimerais mieux... Il y a un certain nombre d'espèces qui ne se sont pas développées dans ce contexte-là. Je pense à mes tournesols, par exemple, que j'aurais peut-être par ailleurs dû semer dans des pots pour pouvoir venir les installer après. Bon, voilà, il y a une petite réflexion peut-être à mener, même sur quelque chose qui peut sembler basique, hein, tel que ces gazons fleuris. Notre rame ici commence à tenir son rôle, hein, de support pour nos haricots grimpants qui se développent bien. Les salsifis sont super également. On a nos premières courgettes. Les haricots qui ne sont pas grimpants se développent très très bien eux aussi. On est parvenu, disons, avec ce petit coup de main du phosphate ferrique à atténuer le problème des limaces. On a encore des attaques, on l'a encore constaté tout à l'heure. Ça reste néanmoins acceptable et voilà, encore une fois, on cherche pas à les éradiquer ces bestioles, mais plutôt à essayer de vivre mieux ensemble sans qu'elles aient trop le dessus quand même sur notre jardin. Et alors, les concombres sont installés là sur cette structure. Bon, je trouve qu'ils sont un petit peu longs à démarrer, mais voilà, on en a quatre ici qui devraient quand même nous donner satisfaction. Ils ont l'air d'être bien partis. C'est peut-être un petit peu long à mon goût. Et c'est une année chaude et humide, et bien entendu favorable donc au développement des champignons. La rouille est un champignon, et donc eh bien, la rouille n'échappe pas à la règle, hein, et se développe idéalement dans ces conditions-là de chaleur et d'humidité sur ce printemps, cette fin de printemps. Donc voilà, on a eu déjà des oignons, de l'ail. On a de l'ail qu'on a déjà arraché, qui était complètement rouillé. Et puis je vois qu'on a d'autres aliacées là qui commencent aussi à être attaqués un petit peu. On a eu également des problèmes un peu de mineuses dans un lot d'oignons. Ce qui me laisse penser qu'on a vraiment bien fait de séparer nos oignons, nos cultures d'une manière générale sur différents lots. Ça, c'est vraiment intéressant. Il semblerait qu'il y ait une seule parcelle qui ait été attaquée par cette mouche mineuse. Alors, je vous retrouve tout de suite dans la serre et puis je vais vous parler un peu de nos tomates. Donc nous voilà arrivés dans la serre, dédiée aux tomates essentiellement. Il y a juste un peu d'aubergine, un peu de poivron à l'arrière, mais pas grand-chose. Les pieds étaient un peu fragiles lorsqu'on les a plantés. Il a fait un peu frais derrière, donc j'ai eu un petit coup de stress avec ça. Mais force est de constater qu'ils se sont très très bien rétablis. Et cette année, on a pris une décision par rapport à l'année dernière, c'est de tailler un tout petit peu nos pieds de tomates. Je reste convaincu que le feuillage permet la photosynthèse, hein, évidemment, et donc de synthétiser les sucres qui vont ensuite alimenter les plantes. Et donc, je reste donc convaincu que moins il y a de feuilles, moins il y a de sucre dans les fruits. Hein. Ça, c'est à peu près certain. Et donc, je ne tiens pas non plus à trop déshabiller mes pieds de tomates. Néanmoins, l'année dernière, on a rencontré des problèmes quand même pour récolter. C'était pas évident de circuler entre les plants. J'en ai peut-être même mis encore un peu plus. On a nos premières tomates d'ailleurs, hein, qui sont déjà là, visibles. J'en ai mis un peu plus encore cette année. Donc, il faut vraiment, pour que la logistique soit quand même fonctionnelle, il faut quand même absolument tailler un petit peu. Donc, la semaine dernière, voilà, j'ai entrepris de tailler un petit peu les tomates, certains gourmands. Alors, je vous montre pas où sont les gourmands, vous savez ça, hein. Simplement, j'ai peut-être
pas assez taillé encore. Psychologiquement, je suis pas prêt à ça. Je l'ai fait un tout petit peu. On verra l'année prochaine, peut-être un peu plus. On va observer et puis on en tirera des conclusions. On verra bien. Hein. Alors, le fait est que lorsqu'on taille, c'est jamais une opération, comment vous dire, c'est jamais sans incidence sérieuse pour la plante. Voilà. Toute action de taille a des répercussions sur le développement de la plante. Voilà. Que ça, c'est valable dans l'aménagement paysager, sur les végétaux d'ornement, que je connais très bien. Et forcément, c'est valable également pour des plantes qu'on va retrouver au verger ou au potager. C'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Alors, la partie de la plante qui est vraiment très très intéressante à connaître hein, quand même, c'est ce qu'on appelle les méristèmes. Alors, que sont les méristèmes ? Ben, c'est très simple, ce sont des tissus constitués de cellules en perpétuelle multiplication. Hein, représentez-vous un massif cellulaire qui se multiplie sans cesse, et ces méristèmes sont responsables notamment de la croissance des végétaux. Alors il faut bien comprendre que les végétaux grandissent par les parties terminales, comme ici, c'est ce qu'on appelle l'apex. Alors, il y a des apex secondaires, hein, bien évidemment. Hein, ce rameau ici secondaire a son propre apex, mais l'apex de la plante, il est ici. Et les racines ont également leur apex qui leur est propre. Et si je viens sur ce pied de tomate faire une trace de peinture à 25 cm du sol, en fin de culture, lorsque la plante aura bien grandi, ma trace de peinture sera toujours à la même hauteur, elle n'aura pas monté avec la plante. La croissance se fait par les terminaisons. Voilà. C'est là que se trouvent les méristèmes, hein, c'est surtout à l'extrémité des plantes, dans ces fameux apex. Et ces méristèmes sont donc, en tout cas pour les méristèmes primaires, responsables de la croissance des végétaux. Il y a également d'autres méristèmes qui se trouvent sous l'épiderme hein, de la tige ou sous l'écorce lorsqu'il y a une écorce. C'est ce qu'on va appeler les méristèmes secondaires. Et ces méristèmes servent à plein de choses également. Et je me suis rendu compte que je les avais sollicités d'une certaine manière la semaine dernière, avec succès d'ailleurs, puisque les gourmands que j'avais supprimés sur ces pieds de tomates, eh bien, je les ai plongés dans l'eau et ils se sont bouturés, c'est-à-dire que des racines sont apparues sur les tiges. Alors, ces méristèmes ont la particularité suivante, c'est que ce sont des cellules qui, lorsqu'elles sont nées, lorsqu'elles sont créées, n'ont pas de fonction particulière. Et elles peuvent prendre n'importe quelle fonction. En l'occurrence, lorsque le terrain est favorable pour l'émission de racines, c'était le cas hein, pour ces boutures que j'ai plongées dans l'eau, et bien ces méristèmes qui sont donc juste sous l'épiderme, hein, dans le bas de ma bouture, à cet endroit-là, vont prendre la fonction de racines. Et donc elles vont devenir des racines. Alors j'ai vu apparaître des petits points blancs sur les bords de mes boutures de tomates, et puis j'ai vu ces points blancs s'allonger et commencer à devenir des racines. Alors ça, c'est important de le savoir parce que ces méristèmes servent encore à plein d'autres choses. Chez les végétaux ligneux, ils vont être par exemple responsables de la formation de cales cicatricielles lorsqu'on vient tailler des branches, hein, par exemple. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la manière dont on taille pour respecter ces zones méristématiques pour que le cal cicatriciel puisse bien se former. Et ces méristèmes secondaires vont également être responsables d'un autre phénomène que vous connaissez très bien, c'est la soudure entre greffon et porte-greffe, notamment dans le cas des tomates, puisqu'on a des noirs de Crimée ici qui sont greffés. Eh bien, si cette soudure a pu avoir lieu, c'est encore une fois grâce à ces méristèmes secondaires. Alors nous sommes ici devant un pommier que j'ai récupéré, qui était destiné au compost en fin de compte. Hein. Il avait très très peu de racines, pour pas dire pas du tout, une espèce de moignon en guise de racines. Et pourtant, à ma grande surprise, il est reparti. Donc, alors je ne connais pas la variété, mais bon, on a quelques pommes. Là, il va peut-être même falloir l'alléger un peu. Sélectionner un peu les plus beaux fruits et puis se débarrasser des autres comme on le fait quand c'est nécessaire. Alors ce dont je voulais vous parler ici, ce sont des méristèmes primaires. Donc je vous disais qu'ils étaient responsables de la croissance
en longueur des végétaux, en hauteur ici en l'occurrence. Et c'est important vraiment de connaître comment fonctionnent ces méristèmes. Ils vont donc effectivement permettre donc cette élongation de la plante, mais ils vont également libérer, enfin l'apex, donc cette zone ici de la plante, va également libérer des hormones, des phytohormones exactement, qui vont être conduites comme ça vers le bas de la plante, acheminées vers le bas de la plante, et qui vont freiner le développement des bourgeons axillaires comme ceci. D'accord ? Ces branches-là, ces rameaux-là que vous voyez sur le côté, ne se développent pas, disons, avec la même vigueur que le dessus, parce qu'ils sont sous le coup de ce frein chimique, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle la dominance apicale, puisque c'est l'apex qui exerce cette dominance sur la plante, sur ses rameaux en particulier. Le fait est que lorsque vous allez planter une haie, par exemple, et que vous allez avoir besoin que cette haie s'étoffe, il va suffire à un moment donné de venir régulièrement supprimer cet apex, et vous allez lever ce frein chimique et permettre le développement de tous ces rameaux axillaires, c'est-à-dire les rameaux secondaires, et donc vous allez obtenir l'étoffement vraiment important de votre plante. Dans le cas d'une haie, par exemple, ça peut être quelque chose de très important. C'est aussi quelque chose qu'il faut connaître dans toute opération de taille. Il faut savoir que, voilà, à un moment donné, lorsque je vais priver la plante d'une de ses terminaisons, eh bien, ça va avoir une répercussion sur la régulation, on va dire, hormonale de la plante, et donc en cascade, ça va également avoir une répercussion sur son développement. Voilà, par conséquent, ça va avoir une répercussion très marquée chez certains végétaux sur son développement, beaucoup moins marquée chez d'autres végétaux. Mais c'est quelque chose qu'il est important de connaître, et je crois que quand on a bien compris ça et quand on le garde bien en tête, eh bien, ça change radicalement la manière dont on va appréhender les végétaux et la manière dont on va les tailler. Parfois, on voudrait avoir tendance à raccourcir une plante un petit peu sévèrement, en se disant je vais être tranquille, et puis en fin de compte on provoque le démarrage de tout un tas d'autres branches dont il faut s'occuper ensuite, et voilà, il faut réintervenir, et c'est un faux bon calcul parfois, quoi. Voilà, donc ça c'est encore une fois une régulation qui se fait dans la plante, et à mon sens dont il faut avoir bien connaissance. Moi ça me permet quand même d'intervenir de manière un peu vraiment consciente de ce que je fais lorsque je vais pincer des végétaux, par exemple, ou, comme on vient de le voir, lorsque je vais tailler ou pas mes pieds de tomates. Voilà les amis, après ces deux petites précisions agronomiques qui me semblent importantes de détenir, je vous quitte et je vous dis rendez-vous à la prochaine. Je vous laisse admirer ces magnifiques pieds de poirée ou de côte de bête, comme on les appelle aussi parfois, ou de blette, à quart de rouge, qu'on a essayé de reproduire. Alors voilà, on va pas trop s'amuser à ça sur le jardin. Vous voyez, ça prend énormément de place. Je vais avoir des graines là, mais à ne savoir qu'en faire. On va partager un petit peu tout ça avec les copains, et puis voilà. Mais l'année prochaine, il est évident qu'on recommencera pas. Ça nous prend presque 1 mètre carré ici, et on a fait la même chose avec de la betterave par ailleurs. Bon, ça fait vraiment beaucoup. Une autre précision importante également au sujet du fonctionnement de la chaîne et de YouTube d'une manière générale, je me suis aperçu que j'étais pas notifié de chacune de vos interventions en termes de commentaires. J'essaye vraiment de répondre à chacun d'entre vous, j'y tiens beaucoup, mais parfois certains commentaires passent au tamis et ne sont pas retenus, et voilà, ils sont validés, mais moi j'ai pas de notification. Alors je dois reparcourir un peu tout ce qui se passe sous ma vidéo pour essayer de voir s'il n'y a pas des commentaires qui sont passés à travers. J'en rattrape la plupart, mais peut-être pas tous. Donc voilà, excusez-moi pour ça. Si toutefois je répondais pas à un com à un moment donné, c'est pas que je refuse l'échange, bien au contraire, c'est juste que j'ai pas vu que ce commentaire avait été posté. Ça me semblait important de le préciser. Une autre chose, et après c'est bon, je vous quitte pour de bon, je dois être abonné à une 20aine de chaînes à peu près chez les copains.
vous produisez énormément. J'ai beaucoup de mal à tout voir. J'ai beaucoup de mal à tout voir dans les temps et du coup à commenter également. Enfin, j'essaye là encore d'entretenir la relation avec chacun d'entre vous. C'est pas facile. Vous êtes nombreux à poster des choses toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et voilà, j'essaye de mon côté d'accueillir tout ça et de le gérer. Aussi, si je suis un petit moment sans peut-être poster un com ou quoi, je vous ai pas oublié pour autant et ça veut pas dire que j'ai pas regardé bien loin de là. Allez, cette fois c'est bon, je vous dis merci et à la prochaine fois au potager qui dit non. Ciao, ciao.